Bonjour les frères et sœurs et bienvenue sur Je n'avais jamais vu une ville fantôme. Cette situation que nous traversons actuellement nous a poussé dans un endroit terrible, hors du commun. Les gens ont peur. Ils ont peur de sortir parce qu'ils croient que la mort se trouve dehors. Ce que nous allons voir dans cette vidéo, c'est hors du commun. Nous allons juste tout droit là où tout a commencé. Suivez-nous. Bonjour les frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Si c'est le cas, Dieu merci. Gardez votre calme. Jésus est Seigneur. Il va nous aider. J'espère que votre famille se porte en merveille. Si c'est le cas, vraiment, Dieu merci encore. C'est extraordinaire. Sans lui, que pourrons-nous faire? Regardez ça! C'est Wuhan, là où tout a commencé. Et après ça, toute la ville a été mise en quarantaine. Il n'y a personne dehors. On voit juste une seule voiture là. Et ce que ça donne est vraiment bizarre. Si vous voulez savoir à quoi ressemble l'apocalypse ou la fin du monde, ça c'est une image assez étrange qui nous montre quand même comment ça va commencer. Mais nous prions que ça n'arrive pas d'ici peu. Que Dieu nous laisse vivre un peu. Mais toutefois, que sa volonté soit faite et non notre volonté. Et les images que nous allons vous montrer par la suite vont vraiment vous étonner un peu. Nous allons voir des choses hors du commun. Gardez votre calme, je dis Seigneur, ça va aller. C'est un truc hors du commun. Déjà, regardez ça. Comme vous voyez ici, il y a un truc. Et quelle est la chose? Nous allons voir tout de suite. La ville, elle est déserte. No one, personne, nobody. Regardez. Il n'y a même personne là-bas. Au point où on a qualifié cette ville-là, la ville fantôme. Une ville fantôme. Oui. En général, c'est une ville bondée de monde parce que c'est l'une des plus grandes villes de Chine. Wuhan. À cause de ce qui se passe, il n'y a personne. Personne. Vous pouvez vous venir vous asseoir juste au milieu et manger votre nourriture préférée. Une seule voiture. Comment c'est possible? Regardez. C'est vraiment bizarre. Peut-être que vous n'avez jamais vu de telle chose. En tout cas, moi, je n'ai jamais vu ça. Regardez vous-même. Une seule voiture, peut-être c'est quoi? C'est la voiture des secouristes là. Ou encore l'ambulance. Selon les pompiers. Selon le pire des cas. Mais là, ce que vous regardez vous-même. Une ville déserte. Une ville fantôme. Les gens disent que cette ville est devenue une ville fantôme. Pourquoi les gens fuient? À cause de ce qui se passe. On leur a dit de rester chez eux, de ne pas sortir. Même les magasins sont fermés. Il n'y a personne dehors. Personne ne veut vraiment attraper quoi que ce soit qui va la conduire à la mort. Franchement, c'est terrible. Le monde est vraiment terrible. Et regardez. Combien de personnes voyez-vous sur cette route? Combien de personnes? Regardez très bien. Avez-vous vu quelque chose? Mais regardez vous-même. Juste là en bas. On voit un seul individu qui est là. Et c'est parce qu'il est assez courageux. Peut-être c'est un membre de la sécurité. Qui sait? Peut-être qu'il est même venu vérifier tout ça. Sinon, les gens sont confinés chez eux à la maison. Ils sont tranquillement dans la maison. Ils sont dans leur appartement. Depuis là, ils peuvent juste regarder tout ce qui se passe en bas. Mais personne ne peut sortir. Mais quand la nourriture va finir dans leur maison, qu'est-ce que ces gens vont mettre à faire? Que vont-ils faire? Ils seront contraints à quitter leur maison. Oui, ça, c'est un truc hors du commun. Nous devons prier. Regardez. Peut-être que c'est même ce problème-là qui a poussé ce gars-là venu là. Ou est-il venu prendre de l'air?
Waouh, c'est bien réel tout ce que nous sommes en train de vous montrer. Et c'est même ça, la ville fantôme. Les gens sont là. Et ils vérifient à chaque fois qui porte la maladie. Qui a ça dans son corps. Et quand vous arrivez là, il y a un vrai mécanisme à être mis sur pied afin de pouvoir pallier à cette situation hors du commun. Regardez comment ces gens-là sont là. C'est un grand risque que ces gens-là sont supposés prendre pour être là. Mais ils doivent faire leur boulot. Si eux ne le font pas, qui va le faire à leur place? C'est un truc hors du commun. Regardez, vous arrivez comme ça. Et ils vous attendent juste là. Et ils vous posent des questions. Peut-être même vous devez remplir un formulaire. Vous serez désinfecté. Ils vont vérifier tout. Est-ce que vous présentez des symptômes de la maladie? Et tout ça, et tout ça, tout ça, tout ça. Waouh! Et regardez ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de jeter des trucs dans la rue, sur les trucs, histoire de désinfecter, voilà, désinfecter. Waouh! C'est quand même, ce sont des images hors du commun. Si nous vous montrons ça, ce n'est pas pour vous faire peur. C'est pour vous montrer quand même qu'effectivement, il y a des choses terribles qui ont lieu de ces hommes de droit. Et si nous vous demandons vraiment de prier, ce n'est pas pour rien. C'est une situation bizarre qui maintient les gens. C'est une sorte de prison spirituelle. Si vous voyez ça, à quoi ça ressemble, la prison spirituelle? Ça ressemble à ça, un endroit vide. Les gens sont gardés dans une prison. Personne ne peut sortir. Personne même a le courage de sortir. C'est pas de la blague, hein? C'est des réels. Quelques voitures seulement qu'on peut voir ici. Juste quelques voitures. Un truc hors du commun. Un truc hors du commun. Regardez vous-même. Une ville fantôme. Wuhan, une ville fantôme. Apparemment, c'est là que tout a commencé. Oui. C'est là que les choses sont parties, apparemment. C'est un truc hors du commun. Tout le monde en parle. Tout le monde en parle. Ça fait la une des journaux. Et vraiment, c'est terrible. Que devons-nous faire? Que devons-nous faire? Allons-nous rester continuellement à la maison? Que va-t-il se passer à un moment donné? Forcément, quelque chose va les pousser à sortir. Est-ce que pendant que les gens seront chez eux, est-ce qu'ils vont recevoir la nourriture directement à la maison? Ou est-ce qu'on va venir leur donner de l'argent ou quoi que ce soit de ce genre? Franchement, ça c'est un truc encore à voir. Personne ne sait ce qui va se passer, mais c'est bien réel. Là, les gens vont devenir de plus en plus courageux. Et regardez, nous devons nous lever d'abord dans la prière pour vaincre cette affaire spirituellement parlant. Pour que ça puisse se manifester physiquement et que nous puissions définitivement sortir de cette situation hors du commun. Qui a déjà vu ça quelque part? Plusieurs disparus, des gens malades, un grand nombre. Mais nous devons toutefois garder notre calme. Ça ne sert à rien de paniquer. Que la main de Dieu nous accompagne tous les jours de notre vie et nous aide à sortir de toutes sortes de situations. Le monde. Voici le nouveau monde. Et ça, c'est juste un test. Une chose qui nous amène à voir ce qui arrive. Mes frères et sœurs, c'est vraiment terrible tout ce qui se passe. Tout ce qui se passe est terrible. Et quand on vous montre toutes ces choses, c'est pas pour rigoler avec vous, c'est pas pour faire peur non plus. Juste pour vous faire voir ce qui se passe. Regardez ces personnes. Waouh! Voici un cas sérieux. On ne dit aucun remède. Personne pour parler au problème. Tout le monde regarde Dieu. Cherchons Dieu. Et on nous parle d'un virus. Il a l'air de ressembler à un truc pareil, non? Les gens toussent, les gens font la maladie. Dès que les gens commencent à tousser net, on commence à vous poser des questions. C'est que quand fait la fièvre nette, on a lié cette fièvre-là à ce virus. Un truc hors du commun. Voici ce qui se passe. Mais que nous regardons cette ouverture, d'où nous viendra le secours. Car le secours nous viendra toujours de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. La ville fantôme, elle est ici. Waouh.
Que tu nous aides et nous guide. Bonjour la professeur, c'est extraordinaire. Que pensez-vous de ça? Avez-vous vu? Avez-vous déjà vu ça quelque part? C'est pas impossible. Mais c'est une situation terrible. Vraiment terrible. Que voulez-vous que je vous dise d'autre? Prions et que Dieu nous sorte de là. Une bonne fois pour toutes. Restez fort. Dans la maison. Priez. Et Jésus Seigneur, nous allons y arriver. Si cette situation est à l'œuvre des démons, Dieu va permettre que ça tombe. Il faut absolument qu'on s'élève dans la prière. Commencez à prier. Si vous êtes dans un pays où tout va bien, priez pour tous ceux qui sont en difficulté. Si vous pouvez les aider, aidez-les. Nous devons vous soutenir. Nous devons rester soutenus dans cette situation. Ensemble, nous ferons des exploits. C'est ce que Dieu nous a dit. Et c'est ce qui va se passer.